Salut les escrocs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre carrière manager avec Leicester. J'ai eu un petit trou, je voulais vous souhaiter à tous une bonne année les escrocs, meilleurs vœux pour cette nouvelle année, bonne santé surtout, parce que sans la santé on fait rien du tout pour tout vous et tous vos proches, et beaucoup de réussite pour cette nouvelle année. Comme vous avez pu le voir, j'ai un nouveau site de crédit. Bon, c'est pas vraiment un nouveau site puisque j'avais déjà fait une vidéo présentation de Fut Royal. C'est un site pas mal vraiment parce qu'en fait on peut packer, on peut faire des paris sportifs et ça c'est vraiment assez cool. Et du coup de toute manière j'en reparlerai dans une autre vidéo. Mais si ça vous intéresse, le lien de Fut Royal est dans la description, n'hésitez pas à aller checker ça. Donc voilà, donc nous on va continuer tranquillement notre carrière manager. On allait jouer face à Arsenal, West Ham, Stoke. Et je pense qu'on arrêtera la vidéo là. Et la semaine prochaine, on se rattrapera. On fera 4-5 matchs. Mais là, je pense qu'on va arrêter le match à Stoke. Enfin, la vidéo à Stoke. Du coup, au niveau du classement, on va avancer. Leicester face à Chelsea. Ok, offre pour le poste de sélectionneur. Non merci. Conférence de presse. Ok, on s'en fiche. Je veux juste regarder un truc au niveau du classement. On est pas mal. On est pas mal les escrocs, on a 6 points d'avance sur Manchester City. Bon, en dessous on s'en fiche, mais on est pas mal. Va falloir vraiment se méfier de Manchester City. Là on a un gros match face à Arsenal. Je sais pas du tout la forme de mon équipe. J'espère que j'ai bien géré le truc. Ouais, ok. Ah oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié, mais on a Mahrez qui s'est blessé. Attendez, il y a Mahrez de blessé et Gray. Donc ça vient de me revenir en tête. Mais ouais, ça va pas être facile. Ils sont blessés combien de temps encore? Le petit. Ils vont être tout en bas à tous les coups. Gray, il est là, il revient dans 2 mois. Ouais. Mahrez, 2 mois, pareil. Oh, 2 mois, ça va être long. Ça va être très long. Je suis vraiment dégoûté, mais bon. Il va falloir faire avec. Et j'espère qu'on va pas perdre 2 points en route dû à ces absences-là. Nous, on va jouer en blanc, on va les laisser en rouge, ils sont chez eux. Vardy en pointe, Albrighton à droite. Brighton, il commence vraiment à être fatigué. Ah oui, je pense à ça. Maintenant que vous me le dites, je viens de penser à ça. C'est grâce à vous, j'ai regardé les commentaires, parce que je regarde tout le temps les commentaires, même si je ne réponds pas dans mes vidéos, je regarde les commentaires. Et vous étiez nombreux à me dire, ouais Flo, tu devrais rappeler de près le petit Moussa. Du coup... En fait, du coup, on va peut-être éviter de rappeler Moussa et on va peut-être rappeler plutôt Kapouchka. Donc voilà, on rappelle Kapouchka parce que Moussa, c'est quand même 1 170 000 euros. J'ai pas envie de lâcher non plus 1 million pour un joueur qui m'appartient déjà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que Kapouchka, Albrighton, il va aller là. Et... Kapouchka, il va prendre tout simplement... Il est où le petit Kapouchka? Kapouchka ici. Et Kapouchka, il sera titulaire dans l'équipe bis. Comme ça évitera Albrighton d'enchaîner tous les matchs. Parce que c'est vrai qu'Albrighton, c'est un peu compliqué pour lui. Mais là, pour le coup, voilà. Au moins, Kapouchka, il revient. Et on va pouvoir mettre Kapouchka dans l'équipe bis. Ouais, il y a Payard qui est là. Il prendra la place de Payard, tout simplement. Bon, bref. Au moins, on a fait revenir Kapouchka. Parce que c'est vrai que... Au niveau des ailiers, là, on est commencé à être un petit peu dans la merde, tout simplement. Donc, faire revenir Kapouchka. J'ai vu que vous étiez nombreux à me dire de faire revenir Moussa, mais c'est vrai que Moussa, c'est un peu... c'est assez cher. Donc, je préfère faire revenir Kapouchka. On est parti pour ce match face à Arsenal. Je pense que ça va être un match assez important. Hardy, bon, le Brighton, il commence à être un peu fatigué, mais bon, il va pouvoir souffler. Allez, les gars. Je sais que c'est Arsenal, mais il y a moyen. D'accord. Allez, on chaîne. Allez, on s'applique. On s'applique. Ouais, c'est compliqué. En plus, il va la récupérer, non? Oui. Oui. Amarté. Oh, t'as pas le droit, Amarté. Non. 0-0, c'est un match compliqué face à cette équipe d'Arsenal. Pas beaucoup d'occasions des deux côtés. J'espère qu'en deuxième période, on va réussir à planter ce petit but. Mais ouais, c'est assez compliqué quand même.
Oh, mais vas-y, vas-y, mets des cartons. Oh, le mur, il est avancé. Le mur, il est avancé, on a vu, là. Carton, carton. Bien arbitré. Merci, monsieur l'arbitre. Ça recule. Allez, Memphis. C'est bien enveloppé, mais je mets trop de patates. Les 20 dernières minutes, nous y sommes. Ah, il est tombé tout seul, monsieur l'arbitre. Mais Mendy, il y avait pas faute. Il y avait pas faute. Ouais, ça passe loin en plus. Ouais, quoique, je sais pas. Oh non. Oh, magnifique. Tu siffles ça. Merde, et merde, le pied. Vas-y, vas-y, oui, gardien. Oh là 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 là. Le match il commence vraiment vraiment à se débrider là. Il y a de plus en plus d'occasions. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Non. Oh là 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 là, on a un gardien, il est en train de nous sauver les gars pour l'instant. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Oh. Oh. Oui. Le but à la 86e. Mais oui. Qu'est-ce qu'il est important, ce but. Le but qui fait. Bien joué, Mendy. Mais oui, je sais pas ce que tu fous là, mais bien joué, petit. Il se rattrape de son erreur de tout à l'heure. Et si c'était le but de la victoire, Pierre, tout simplement. Ah, ça y ressemble bien, Hervé, hein, il reste plus beaucoup. On a eu mais très très chaud sur ce match. Bon. On s'en sort bien, on repart avec la victoire, mais sincèrement, je pense que le 0-0 était un petit peu plus mérité, mais bon, je prends. Les 3 points sont pour nous, du coup c'est parfait, on va pouvoir garder notre avance au classement et mettre la pression sur Manchester City. Du coup, on avance tranquillement vers notre prochain match face à West Ham. On va arrêter là, je vais juste simuler les entraînements, sinon vous allez encore dire « Ouais, Flo, tu oublies tout le temps les entraînements. » Non, cette fois-ci, je les oublie pas. Donc, on va les faire. Hop, on simule le petit Kimpembe qui augmente et qui passe à 78 de général. C'est bon, ça. Ok, on est bon. On va pouvoir tranquillement se concentrer sur notre match face à West Ham. Ça va pas être un match facile, je pense. En plus, c'est à l'extérieur, donc on va se concentrer là-dessus. On va jouer avec nos maillots blancs et eux, on va les faire jouer tout en noir. Allez, hop, c'est parti. Vardy, Albrighton, Mendy, Amartemo. C'est bien parce que les journées sont un petit peu plus espacées. Du coup, on peut se permettre de laisser l'équipe une. Donc, c'est parfait. On enchaîne. Avec un trio d'attaquants. Oh là 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 là, c'est beau ça, magnifique. Mais oui, la finition pied gauche de Vardy. On est chaud là en ce moment, c'est parfait. Et déjà l'ouverture du score, le ton est donné. Ah, quel début de match. Si on peut mettre la pression au championnat, parce que je vous rappelle les gars, quand, je sais pas, peut-être, ça fait 3 ans, sur les 3 dernières années de carrière pro, carrière manager, pardon, ouais, on n'a pas réussi à gagner une seule fois le titre de champion, donc... Oula, oula, passe, ça, on s'en sort bien. Non, pas du tout. Donc ce serait bien de remporter le titre, quoi. Ouais, bien sûr. Oh là là, l'enroulé. Il était magnifique. Allez, on va contre tout de suite. Tout de suite. Contre-attaque. Oh là 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 là, si on leur met ce but, ça peut faire mal. Attention, ça peut être dangereux. Oh là 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 là, c'est moche. C'est moche parce qu'ils ont une énorme occasion. Et sur le, bah sur le contre, tout simplement, on leur met le deuxième but. Mendy qui part en contre-attaque. Je joue sur Depay. Depay qui décale sur le côté droit. Vardy qui marque du plat du pied. C'est parfait. 2-0. Attention à Simone Zaza. Au physique, on peut pas lui prendre la balle ou quoi, lui. Mais c'est une. Ouh, j'hésite à tacler là. Sincèrement. On gagne aucun duel, mais. C'est n'importe quoi là. Bon, mi-temps, on mène 2-0. Pour l'instant, tout se passe bien. On gère assez bien le match, mais il va quand même falloir être assez vigilant en deuxième période. Parce que cette équipe de West Ham est vraiment pas mauvaise. Et ils peuvent revenir. Je vois que Depay est blessé. J'ai envie de vous dire, plus rien ne m'étonne. Mais là,
Si Depay est blessé, là, laisse tomber. Là. La fin de saison, ça va être n'importe quoi. Oui, oh oui, la tête de Zaza, quoi. 2-1, les gars. Sérieux, là, faut pas se faire remonter, là. Gardez l'avantage. Goûtez. Peut-être une bonne occasion. Vas-y, viens, enculé, va. J'ai craqué. Il m'a pris la balle, mais d'une facilité déconcertante. Du coup, j'ai fait un tac par derrière. Voilà, super. Oh, magnifique. Oh, dommage. Et Depay, il traîne la patte et j'ai pas envie d'aggraver la blessure. Du coup, je vais quand même le sortir. Parce que là, ça sent pas bon. Je vais mettre le petit Kapouchka. Il pose le jeu. Non, c'était pas là. C'est pas là, je t'ai demandé. Oh là là, contre-attaque. Oh la contre-attaque. Il reste Kipembe. Allez. Mais oui, bien joué. Gagne ton duel, les gars. Faut gagner son duel, là. Non, you. Et là, le petit but. La petite déviation. Oh, Vardy. Oh là là. Bien joué, Mendy. Oh, bien joué, magnifique ça. Il donne tout, le petit Mendy. Oh, en bas. Oui. Vas-y, petit. Allez. Résiste. Oui. La victoire. Mais oui, les 3 points. Les 3 points, victoire, 3 buts à 2, les escrocs. C'était pas un match facile, mais on a réussi à remporter ce match. West Ham, en fin de rencontre, ils étaient vraiment, je pense, en ultra off. Et sur notre seule, je dis bien notre seule occasion, on a réussi à faire une petite contre-attaque et à partir dans le dos de la défense. Et Old Brighton, il a réussi à tout simplement planter un petit but. Donc, but d'ailleurs très très important, puisque on met toujours la pression sur Manchester City. Et je pense que ça va être compliqué pour eux de revenir sur nous. Off pour le poste sélectionneur. Non, merci. Retour du blessé. Ah oui, non, d'accord. Barbier, ok. Joueur blessé. Mais j'ai une hécatombe de blessures. C'est impressionnant, quoi. Joueur suspendu, oui, forcément. Résiliation de l'off. Match décalé. Joueur appelé en sélection s'en fiche. Ouais. Sincèrement, là, je suis dégoûté. Depay, il vient de prendre 3 semaines. J'ai 2 mois pour Gray, 2 mois pour Mahrez. J'ai pas les mots. De toute manière, on va faire tourner pour ce match. On va jouer avec l'équipe B. Et Barbier est toujours blessé, lui aussi. Il est convalescent, on va dire ça comme ça. On va les faire jouer en rouge. Nous, on va jouer en bleu. All Brighton à gauche, non, je ne suis pas d'accord puisque All Brighton est dans l'équipe 1. Ici, ça va être Kapouchka. Il est où le petit Kapouchka? Ah, il est peut-être sur le banc. Non? What the fuck, Kapouchka? Where are you, Kapouchka? Du coup, nous, on est bon. Kapouchka, Slimani, Payard, ok, let's go. 8 points d'avance sur Manchester City. On est bien, on est très très bien. Le titre n'est pas joué. Il va falloir rester concentré jusqu'à la fin, mais en tout cas, on va jouer le titre. Ça, c'est une certitude. Ah oui, parce que vous étiez aussi nombreux à me dire « Ouais, Flo, pourquoi tu joues avec des joueurs aussi nuls au milieu de terrain? T'as James qui est meilleur ou autre ?» C'est parce que tout simplement, c'est des joueurs du centre de formation. Et du coup, j'ai envie de les faire évoluer. Et du coup, je mets tout simplement Barbier, Courbet, Maillet dans cette équipe B pour tout simplement les faire évoluer. Parce que j'ai envie de faire confiance au centre de formation. Et du coup, voilà pourquoi je les mets titulaire. Enfin, titulaire. Je les mets dans l'équipe B. Le mur qui s'élève pour contrer ce coup franc. Ça peut être pas mal. Ouais, d'accord. Le contre complètement craqué. Une boule. Mais non. Une boule là, il passe, mais tu sais même pas où, quoi. Mais oui, bien joué, Hut. Allez. C'est pas ça que je demande. Je voulais que tu la remettes à Fossou. Shaqiri, je vais te casser une jambe. Je vais te casser une jambe, Shaqiri, tu vas voir. Tu vas pleurer fort.
Mais c'est quoi ce délire? Et tu siffles pour qui? Mais non, mais j'ai encore un blessé, mais t'y crois toi? Proche du but. Je tacle pas le deuxième poteau. Oh, là, il a failli marquer un doublé quoi. Deuxième période, je sais pas ce qui se passe. Ouais, mes joueurs ils étaient un peu endormis là, tranquille, on est bien. On se limanie, tu gagnes ton duel de la tête, dommage. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Oh non, Slimani. Changement de possession. Oh bien joué. Oui. Kapouchka. Oh la parade. Centre. Une tête Slimani. Mais ça passe à côté, les gars. Dommage. Ah, c'est contré. Ok. Allez. Petite tête là. Vas-y, oh, c'est tiré n'importe comment. On a de la réussite. On est dans une phase de conservation avec Hutte, lâche ta balle Hutte. Oh là 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 là, même ça tu fais des passes dégueulasses mon gars, c'est impressionnant quoi. Johnson. Oh là là, oh bien joué. Allez Fossou. Voilà. On leur met la pression là, allez. Fossou mène ça. Allez dans l'espace. Voilà, ça c'est une action. Ah. Regardez, mais non, il est pas hors jeu. Mais oui. Je pensais qu'il était hors jeu. J'étais persuadé qu'il était hors jeu. Shaqiri. Sous lui. Mais sérieux, la réussite. Mais j'y crois pas. L'autre, qu'est-ce qu'il fait? Mais. Payard, allez Payard, ils sont tous tombés. Oh, ça manque de force ce que tu fais Payard. Dommage. Allez, faut encourager, ça revient. Allez. Oui Kapouchka. Non, c'est honteux, c'est rouge ça. Vas-y, même si c'est pas le dernier défenseur. 90e tac par derrière, sérieux. Défaite, c'est pas vraiment mérité. Sincèrement, c'est pas vraiment mérité. Je pense que le nul aurait été un petit peu plus mérité, mais bon. Tout à l'heure, on arrache la victoire face à Arsenal. Pareil, à 10 contre 11, on arrive à arracher la victoire à la 90e. Donc bon, on va pas se plaindre. Mais ça aurait pu être mieux. Du coup, Manchester City revient à 5 points. Manchester City qui ne lâche rien puisque on avait 8 points d'avance, on en a plus que 5. Va falloir être très très vigilant. Chelsea revient bien aussi, on a 10 points d'avance mais on a un match de plus que Chelsea, donc ça reste à voir, mais cette fin de saison risque d'être palpitante et vraiment vraiment intéressante. J'espère qu'on va réussir à garder notre titre tout simplement et à remporter ce titre de première division. Ce serait juste fou, mais ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Du coup, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo carrière manager. On se rattrapera la semaine prochaine au niveau des matchs. Vous inquiétez pas, Danny Simpson, on s'en fiche. Ah oui, 3 mois, Lucas. Ah non, mais c'est impressionnant. L'hécatombe de blessures, mais c'est. J'ai même pas les mots. Ok, plus 5 pour Fossou, plus 5 pour Courbet, plus 1 pour Payard, ok. Slimani, j'ai vraiment, vraiment du mal à jouer avec Slimani. Albrighton, plus 1, il est vraiment très, très bon. Maillet, ok. James, plus 2, ok. Plus 5 pour Kipembe, 78 de général, ça commence à être très, très bien. Jamie Vardy, notre meilleur buteur, 41 matchs, 21 buts, 16 passes D, ok. Michael, Wes Morgan, 78, plus 2 pour Semedo, ok. Le petit grec qui est toujours blessé, il reviendra dans 7 semaines. Kapouchka qui est revenu de près, du coup, ok. Amartey, m'a un petit peu déçu dans cette vidéo. Mahrez, 7 semaines aussi, il va falloir vite revenir parce que sincèrement ça va être très très dur. Et le reste, on s'en fiche un petit peu. Je vais juste aller voir le petit Moussa. 29 matchs, 10 buts et 5 passes D. C'est correct. On va juste regarder tout de suite le calendrier pour voir ce qui nous attend dans la prochaine vidéo. Et on tombe sur le Paris Saint-Germain
en quart de finale de Ligue des Champions, les gars. Les Spurs contre le FC Barcelone. Et nous, ça va être contre le Paris Saint-Germain. Ça va pas être facile, mais il y a moyen. Il y a moyen, donc on verra bien ce que ça donne dans la prochaine vidéo, puisque la prochaine vidéo, ça va être Stoke. C'est Sunderland. Le PSG deux fois, ensuite les Spurs, et on terminera avec un match face à Everton. Ok. Bon, on va arrêter là. Comme je disais, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode des escrocs. On se retrouve mercredi prochain, comme d'habitude, pour la suite de notre carrière manager. Prenez soin de vous et de votre famille, c'était Flo. Nox Omane.